symposium de Rivière-à-Pierre Haut en couleur. Je suis en compagnie de Mme Monique Bisson, qui est l'une, je dirais, des pionnières du symposium, parce qu'elle est là depuis les 12 premières, depuis la première, en fait. Depuis la première. Mme Bisson, contente de cette année? Très contente. On avait une mauvaise température qu'on nous avait prédit, mais malheureusement, heureusement, il fait très, très beau. Alors, les gens sont au rendez-vous. Les artistes, combien il y en avait cette année? 18. Quand même, c'est une bonne année, parce que normalement, c'est une vingtaine que vous visez à chaque année? À peu près. Ça varie entre ça. 22, 18, 22, à peu près. Oui. Parfait. Et puis, le président d'honneur, cette année, c'était? Comment tu dis ça? Le président d'honneur. Oh! Notre président d'honneur, c'est nul autre que M. Jacques Hébert, aquarelliste. Très connu. Très connu, vraiment très coté aussi. Et qui aime beaucoup, beaucoup Rivière-à-Pierre. Lui, c'est à sa troisième présence officielle, mais il dit qu'il est déjà quand même venu peindre incognito. Là. Pour le plaisir. Oui, pour le plaisir. Est-ce qu'il y a des artistes qui reviennent régulièrement? On en a plusieurs régulièrement. On en a quelques-uns de nouveaux. D'autres qui ont arrêté pendant 2-3 ans, mais qui ont recommencé aussi. On les connaît pas, ceux-là. Madame Bisson, on a vu aussi, les gens viennent, les artistes peintres, il y en a de la région ici de Rivière-à-Pierre, mais il y en a qui viennent de plus loin que ça. Oui, il y en a de Lévis. Il y en a même qui viennent de Charlevoix. Une de mes anciennes élèves, en plus. Une fille de Rivière-à-Pierre qui est revenue. C'est bon. J'ai vu aussi qu'il y avait des gens de Verchères, qu'il y avait des gens d'un petit peu partout. Oui, mais j'avais... Vous saviez pas? Non, j'ai pas fait le tour complet exactement. Ben, c'est pas moi qui m'occupe de l'inscription. Okay. On a chacun nos rôles. Moi, je m'occupe plutôt du côté jeunesse, là, ou des ateliers à faire. Comme cette année, on faisait un atelier de mandala. Alors, c'est pour ça. Donc, les inscriptions, je les ai vues passer, mais je peux pas dire que je m'y suis arrêtée beaucoup. Donc, encore là l'année prochaine? Sûrement. Ben oui, c'est le chiffre 13, ça va être chanceux. Ah bon, c'est vrai, je n'avais même pas pensé, tu vois. Alors, je vous souhaite un bon fin de symposium. Merci, Mme Bisson. Merci beaucoup. J'ai la chance d'être en compagnie de M. Jacques Hébert, qui est président d'honneur pour la 12e édition du symposium. Bonjour, M. Hébert. Oui, bonjour. Vous avez passé un beau symposium? Extraordinaire. Une région pleine de couleurs, de rivières et de gens fantastiques. Et puis, je pense que vous êtes un amoureux de Rivière-à-Pierre. C'est pas la première fois que vous vous présentez ici? Non, c'est pas la première fois, vous avez raison. Au moins 4 fois par année, je suis ici. Incognito avec ma compagne. On adore cette région. On habite une belle région aussi. Mais ici, c'est un plus. On aime bien ces régions-là. Puis comme nous sommes les peintres de la forêt avec la corporation Norditude qui contient 6 confrères. Texacor, Marcel Feito, Louis Tremblay, Saint-Gilles Côté, Bruno Côté et Saint-Gilles Côté. Et hier, comme par hasard, Saint-Gilles était ici. J'avais invité Saint-Gilles, il est venu nous voir ici hier. Un des membres de la corporation Norditude. Norditude veut dire que nous peignons les parcs, incluant vos parcs ici. OK. Oui, oui. Et puis vous, là, c'est ça, souvent on voit dans les symposiums les acryliques, les huiles et tout ça, mais vous êtes à l'aquarelle. Oui, moi je suis à l'aquarelle, vous avez parfaitement raison. On ne peut rien vous cacher. C'est que j'ai fondé cette société avec Jean-Paul Ladouceur du Canal 10 à Montréal il y a 30 ans.
Et le but de l'exercice, c'était de promouvoir ce beau médium. Et ce beau médium est toujours populaire. Il l'est moins un petit peu dans l'est du Québec, l'est du Canada. Les gens préfèrent l'huile, l'opacité. Ça ne nous dérange pas. J'ai un marché avec les anglophones. J'ai un marché à l'étranger aussi, du côté de l'Europe. On visite l'Europe. On travaille des fois parfois à Bâle, à Mulhouse, dans ces coins-là. Et on travaille aussi dans le Minervois, à l'extrémité sud de la France. Oui. Et je travaille du côté américain. Vos tableaux se promènent partout, comme ça, vous d'ailleurs. Oui, exactement. Exactement. Si je vous disais que je fais 50 à 60 km par année à bord des avions, oui, je fais ça encore. Exactement. C'est beaucoup. Mais j'ai une bonne santé, je suis privilégié, donc je me prive pas. C'est indiscret de demander votre âge. Et il y a trop de femmes ici, je parle pas de mon âge. J'aurai 80 bientôt. J'étais en pleine forme encore, donc oui, encore. Oui, en bonne santé, je suis privilégié. Il y a l'hérédité qui m'aide beaucoup. J'ai une maman qui a vécu jusqu'à un an, un frère à ma maman qui a 101 ans, qui me parle toujours, et des sœurs à ma mère qui sont encore vivantes. Et je suis un peu privilégié. L'hérédité, je pense, est un facteur important maintenant. Donc, encore plein de belles années avec vos couleurs, vos pigments. Je pense que oui, je le souhaite de toute façon. Je fais rien de spécial, sauf que j'alterne. J'ai beaucoup d'activités. Si j'avais un conseil à dire à quelqu'un, vous savez, ça ne coûte rien marcher. Alors, je marche beaucoup. Je fais du bicycle. Je fais de la marche à pied. Je fais du golf. Et je fais du ski, évidemment. Et pour terminer, j'ai un bicycle à gaz, évidemment. Ben oui, j'ai un bicycle à gaz. J'ai également un skidoo. Mais le skidoo, c'est pas pour publiciser le skidoo. C'est simplement que j'aime voir, donc ça me permet de voir des choses d'hiver que je ne peux pas voir en saison. Oui. Donc vous êtes très actif. On est très heureux et très privilégiés de vous avoir eu ici à Rivière-à-Pierre. Ben, merci. Merci beaucoup. Et c'était un privilège de recevoir cette invitation. Puis je compte bien revenir, évidemment. Ben, on vous attend. Au revoir. Bonjour, M. Mengui. Bonjour, Sophie. Maire de Rivière-à-Pierre, écoutez, une belle édition encore cette année pour le symposium. Oui, c'est notre 12e édition. Maire Nature était avec nous autres hier en partie, disons qu'à 3 heures, je pense qu'il a commencé à tomber quelques gouttes et ça a fait peur à bien du monde, malheureusement. Aujourd'hui, dimanche, c'est super beau, mais on est à l'intérieur, dans la salle communautaire Rivière-à-Pierre. Je pense que les gens auraient apprécié aller sur le site des Chutes de la Marmite, parce que c'est quand même un site exceptionnel pour les gens qui font de la peinture et pour le public en général. C'est bon. Là, justement, on parle de la marmite. Il y a des changements qui s'en viennent pour le site de la marmite? Oui. Disons qu'on est approché par le CEPAC pour prendre une charge des Chutes de la Marmite. La CEPAC se débarrasse un peu des terrains qui ne sont pas sur la réserve. Donc, ce territoire-là n'étant pas sur la réserve, nous, la municipalité, on est intéressé d'en prendre charge. Donc, c'est pas signé encore, mais disons qu'officieusement, on fait des travaux déjà. On a déjà commencé à travailler là, à tenir ça propre. Et c'est un site exceptionnel, les Chutes de la Marmite. Et la municipalité était bien contente de pouvoir en prendre possession. Comme l'année passée, on a pris également possession de la halte du Club Arlo. Les gens qui s'en vont vers Notre-Dame de Montauban. Là, la signalisation a été posée la semaine dernière, donc les gens vont pouvoir voir où c'est. Mais c'est un autre endroit exceptionnel, la halte du Club Arlo, où les gens peuvent aller faire du camping. Il y a des tables à pique-nique, des toilettes. Toutes les installations sont là. C'est ça, tout est prêt. C'est bien parce que c'est vraiment, on le dit, Rivière-à-Pierre. En plus, vous avez eu la petite séduction qui est venue. Oui. C'est vraiment un beau coin de pays à découvrir dans Portneuf. On est peut-être au bout de la route, mais. C'est ça. On est loin, comme je dis souvent, on est loin, mais on est.
les derniers Gaulois. Là. Disons qu'on tire notre épingle du jeu, on n'est pas en reste avec personne dans le comté même. On est chanceux d'avoir des subventions comme on en a. Même souvent, les autres maires, mes confrères me disent « Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ci, pour avoir ça? » Mais disons qu'on est une municipalité où les gens sont actifs et les gens veulent. Et justement, la petite édition en est un bel exemple parce que... Il n'y a plus toute la fin de semaine, mais on a eu quand même près de 200 personnes à nos activités. Ça fait que ça a été vraiment bien. C'est bien. Et puis là, ben, justement, vous dites que Rivière-à-Pierre, ça bouge. Tout ça, il y a sûrement des événements qui s'en viennent prochainement? Effectivement, la semaine prochaine, c'est la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la CHEP, qui vient à Rivière-à-Pierre parce que l'an passé, c'est des citoyens de Rivière-à-Pierre, Micheline Fortier et Paul-Henri Fortier qui ont gagné le premier prix du public et le premier prix de la CHEP, je m'excuse. Et ce faisant, la réception se fait à Rivière-à-Pierre. Donc, samedi prochain, à 13h30, si je ne m'abuse, c'est ici à la salle municipale où va avoir lieu la cérémonie annuelle de la CHEP. Fait qu'on est bien, bien contents, Rivière-à-Pierre, C'est ça. Puis en plus, là, moi, je sais, parce que, bon, j'ai de la famille qui sont chasseurs. Il y a toujours le festival du chasseur qui est là. Effectivement, on devrait avoir notre pont payant le 9 ou le 10 octobre. Ça, c'est une autre activité annuelle que tous les gens connaissent. Quand on est sur le bord de la route avec notre panier, les gens ont toujours leurs 2, leurs 5, leurs 10 ou leurs piastres pour le Festival du chasseur. Le Festival du chasseur, c'est à l'automne, c'est la prochaine belle activité. On a aussi, au niveau de la FADOC, est très active à Rivière-à-Pierre. On a le parc La Crouzette en face qui a été aménagé depuis 2-3 ans. On a eu une pergola qui est super belle. Cet été, on a eu un jeu de shuffleboard. Et cet automne, on aura des exerciceurs pour toute la population. Là. Et non, ça va très bien à Rivière-à-Pierre. Les gens sont dynamiques et c'est plaisant. On est content de voir ça, puis on va continuer à venir vous voir parce qu'il y a la saison de motoneige. On n'oublie pas, vous êtes un peu de motoneige. Oui, la saison de motoneige, et là, c'est la saison des couleurs. Alors, les cyclistes, les motocyclistes, on voit de plus en plus de motocyclistes à Rivière-à-Pierre. Notre hôtel est réouvert, donc la coop va bien. Alors, ça permet aux gens de pouvoir se restaurer et de venir à Rivière-à-Pierre sans crainte de manquer d'essence ou de manquer de bouffe. Exactement. Alors, on invite tout le monde à venir nous voir. Bien, je vous remercie, M. Mengui, puis je vous souhaite un bel automne. Merci, Sophie.